Bonsoir et salut à tous. Je viens tout juste de sortir de Halloween Kills. Bon, premier ressenti là, chaud. Voilà, c'est pas du Halloween. Hein. On est sur quelque chose de qui a voulu faire du gore pour du gore. Hein. Rien vraiment très 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 intéressant dans ce film. Voilà, enfin. Les persos sont nazes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le seul frisson que j'ai eu, bah, c'est en sortant du ciné. Voilà. Bah, il fait froid, donc le seul frisson, il était là. Donc, vraiment déçu de la tournure que prend la saga. Donc, on va dire vivement que ça s'arrête. Hein, parce que ça tourne en rond. C'est malheureux parce que c'est vraiment une saga qui me tient beaucoup à cœur. En espérant que le dernier volume de cette trilogie sera de meilleure qualité parce que voilà, là c'était du gore pour du gore. On a un Michael. Qui ressemble à un John Wick à un moment il se retrouve entouré de plusieurs personnages et les défonce littéralement un peu voilà la manière d'un John Wick ou autre personnage du genre. Donc vraiment grosse déception. Moi je l'attendais beaucoup parce que 2018 était sympa, bon, c'était pas non plus à la hauteur du chef-d'œuvre de 78 de Carpenter. Donc, je dirais que le seul point positif de ce Halloween Kills, ça va être son thème musical. Donc, toujours le thème de John Carpenter. De John Carpenter, bon, réaccordé, réarrangé, mais qui est toujours efficace. On retrouve, entre autres, toute la partie musicale, c'est vraiment des gros clins d'œil à la saga originale, donc ça fait plaisir. Jamie Lee Curtis qui sert pas à grand chose perso dans ce film là. On retrouve d'ailleurs trois filles, enfin les trois filles. On retrouve la grand-mère, la mère et la fille du film précédent avec ce coup-ci la mère et la fille dans un rôle plus important. Voilà, enfin, une grosse déception. J'en parlerai peut-être un petit peu plus dans la vidéo qu'on fera avec l'équipe du 7e art dans tous ces états. Donc voilà. Déception et vraiment, c'est bête à dire, mais. Vraiment hâte que cette saga se finisse parce que là ça commence à tourner en rond. Ils savent plus quoi inventer, ils savent plus quoi faire pour renouveler le genre, mais surtout renouveler la franchise parce que là on se retrouve avec. Enfin, je vais pas spoiler. Bon, après, si vous allez voir la fiche technique du film, vous verrez, mais il y a un personnage qui essaye de monter la population d'Haddonfield pour justement traquer Michael Myers. Ça crée un mouvement de folie. Donc, malheureusement, on nous introduit des personnages, mais pour les faire disparaître quelques temps après, donc ce qui sert totalement à rien. Parce que d'une, on n'a pas le temps de s'attacher à eux, et puis de deux, bah, ils sont nuls.
qui sont joués avec les pieds. Donc voilà. Voilà, donc vraiment déçu et bah, en espérant que le prochain clôture réellement la franchise et qu'on l'enterre pour de bon parce que voilà, si c'est pour nous sortir soit du réchauffé, soit un retournement de situation qui totalement inexplicable. Donc voilà. Voilà, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ça. Donc voilà, c'était Fabrice. Donc ciao et à bientôt!